Frères et sœurs qui êtes fidèles devant votre écran de Facebook ou d'ordinateur, devant l'Internet, qui nous rejoignez maintenant pour cette célébration du jeudi après-midi, fidèle au poste toujours, je vous ai donné rendez-vous pour cette Eucharistie qui commence avec quelques minutes de retard. Nous sommes toujours dans la salle à manger du presbytère Notre-Dame de Lourdes à Roissy. Et j'ai avec moi aujourd'hui une voisine, sœur Sylvie, qui est venue nous rejoindre pour cette célébration de l'Eucharistie, en même temps que mon ami Jean, qui est toujours là pour servir à l'hôtel, à la table de la célébration. Et puis, il y a tous ceux qui, encore une fois, des quatre coins du monde, aujourd'hui sont en communion, en cet instant précis avec nous, et qui, d'une manière ou d'une autre, manifestent leur intérêt, leur attention pour leur désir de prier de cette manière avec nous. Nous sommes là encore une fois pour l'Eucharistie, et je pense à tous ceux qui, non seulement à l'Imoriste, mais paroissiens de Notre-Dame de Lourdes à Rosil, mais aussi ceux qui, à travers le monde, en France, en Australie, au Canada, sont là en prière, en communion avec nous. Alors, des gens qui m'ont demandé de prier pour eux, là, il y a de nombreuses personnes, mais je pense en particulier aujourd'hui à Jimmy David, qui est décédé, et je pense surtout à son épouse, à ses enfants et ses petits-enfants. Je pense à mon ami Eric, qui a célébré ses 50 ans de vie. Je pense à Daniel, qui est assis, qui est très très attentif, qui est en prière, en communion avec nous, de Durban. Et puis aussi, je pense à Vincent, qui est loin des siens, qui est en France et qui est loin des siens, et à qui sa famille pense beaucoup en ce moment. Autant d'occasions d'être en communion les uns avec les autres, et surtout de nous retrouver encore une fois autour de ce moment d'action de grâce, d'Eucharistie, pour dire merci. Au cœur de ces événements qui nous touchent les uns et les autres, nous sommes invités à dire merci. Tout à l'heure, je vous proposerai ce que notre évêque souhaite pour nous, pour notre diocèse, la consécration au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, à la miséricorde de Dieu, de Jésus. Alors nous allons ensemble vivre cette Eucharistie comme les autres fois, en commençant notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, plus fort que la mort, ressuscité pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Toujours dans cette lumière de la résurrection, nous pouvons ensemble proclamer la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, qui a uni tant de peuples dans la même confession de ton nom, accorde
à tous ceux qui sont unis par le baptême d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour que nous a révélé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourait vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pourquoi fixez les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
un fils d'homme pour que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs, de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, vous vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose ici à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons d'être dans le sillage de cette immense aventure de la résurrection. De cette victoire, de cette vie d'homme sur, d'homme et de Dieu, de vrai homme et de vrai Dieu, sur la mort, sur la haine, sur l'obscurité du péché. Oui, nous sommes là, et de manière, aujourd'hui, avec une insistance très terre-à-terre, très concrète, encore une fois, je dirais, il ne s'agit pas simplement d'une fin heureuse, d'un happy end, comme on dit dans certains films américains, d'une fin heureuse ou d'une jolie histoire qui se termine bien, un conte d'enfant qui se termine bien, une histoire de fées. Non. Et Jésus le montre bien dans des détails très pratiques de la vie de tous les jours. Et une des premières choses qu'il fait, qui moi me touche beaucoup, et que je voudrais, au cœur de nos épreuves, insister aujourd'hui dessus. Jésus vient, les apôtres sont pétris de peur, ils sont enfermés, et on connaît cet épisode déjà, on a vu aussi, il a été raconté d'une autre manière avec l'absence de Thomas. Et puis Jésus vient,
ils sont là un peu comme bouleversés, un peu comme effrayés. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Alors, on essaie d'imaginer leur peur, leur culpabilité, leur honte, et puis Jésus est là au milieu d'eux. Et une chose qui va les remplir de joie. Jésus va faire cette chose étonnante. Il va leur montrer ses mains et ses pieds et son côté. Alors moi, ça me touche beaucoup. Au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il les rassure et qu'il leur donne cette joie immense. Oh, Jésus aurait pu dire, venez ici, bande de fumiers, vous allez maintenant me payer ce que vous avez fait, vos abandons, vous ne l'achetez pas du tout. Et voilà que leur frayeur, leur bouleversement se transforme en joie, une joie profonde, parce qu'il leur a montré ses mains et ses pieds, c'est-à-dire les cicatrices de son amour, les cicatrices de l'amour blessé. Alors, vous voyez, moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Que dans ce corps glorieux du Christ ressuscité, il porte les marques, les cicatrices de l'amour, l'amour qui est allé jusque-là. Jusqu'où l'amour est allé. Vous savez, je pense que c'est une chose que nous pouvons vivre, nous les êtres humains. Très souvent, moi je sais que, il m'arrive souvent de penser, quand j'essaie d'évoquer ce qu'a été l'amour de mes parents dans mon histoire personnelle, depuis mon enfance, de ma jeunesse, mon adolescence, ce que je retiens, c'est tous ces efforts, tous ces sacrifices, toutes ces souffrances, souvent muettes, ces épreuves, que mes parents, ma mère surtout, a traversé, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et on peut mesurer la profondeur d'un amour, le poids d'un amour, la vérité d'un amour, justement, au prix qu'on a payé pour aimer ce qu'on aimait. Et là, Jésus vient en leur montrant, non pas pour dire, vous voyez ce que vous avez fait, vous allez me payer ça très cher, mais pas du tout. Il leur montre ses mains et son côté comme pour dire, voilà jusqu'où je suis allé pour vous. Et moi, ça me touche, ça me bouleverse beaucoup de savoir que ces cicatrices-là sont là, gravées dans le corps ressuscité du Christ, le corps glorieux du Christ, qui a de nouvelles propriétés puisqu'il apparaît au milieu d'eux et il a gardé les cicatrices de l'amour blessé. Alors, aujourd'hui, dans cette Eucharistie, cet amour, il est là pour nous. Pas de la même manière, mais il est là toujours puisque ce sacrifice continue. Ce prix à payer continue. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités, justement, Saint-Pierre le disait auparavant, et Jésus-même l'invite, pour la conversion des péchés. Vous aviez fait tout cela, disait Pierre, par ignorance, c'est vrai. Jésus demandait pardon à son Père en disant, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, nous aussi, très souvent, nous avons peur, malgré tout ce que nous avons vu, tout ce qu'on nous a dit de notre foi, toute l'éducation que nous avons pu recevoir concernant la foi, eh bien, on se laisse très souvent gagner par l'ignorance, on est passé à côté. Et puis, il y a un rappel qui nous est fait aujourd'hui. Vous pouvez avoir confiance en moi. Voilà jusqu'où je peux aller encore aujourd'hui pour vous. Alors, ce soir, dans cette Eucharistie, le Seigneur ira encore jusque-là pour nous. Alors, une fois encore, si vous voulez bien, en ce temps d'épreuve, où très souvent, on se laisse peut-être envahir par le doute, le questionnement, l'ignorance, d'une éducation religieuse qu'on a laissée un petit peu de côté, de manière un peu superficielle, parce qu'en grandissant, on a laissé un petit peu tomber tout ça, un peu comme les réminiscences d'un beau conte qui finissait bien. Et là, le Seigneur nous invite à dire non, c'est plus que ça. La résurrection, c'est plus que ça. Ce Dieu vivant est plus que ça. Ma relation avec vous, de chaque jour au cœur de vos épreuves, je suis là. N'ayez pas peur. Soyez en paix. N'ayez pas peur. Alors ce soir, je vous invite encore une fois à mettre dans cette coupe et dans ce calice toutes vos questions douloureuses, vos épreuves, vos souffrances, vos doutes, vos questions. Et puis ces conversions qui sont en train de vous travailler peut-être, de fleurir quelque part dans les instants les plus inattendus. Et c'est peut-être ça aussi un des rares avantages de cette époque que nous vivons, de ces temps de confinement où nous sommes appelés à aller à l'essentiel, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Alors c'est tout cela que nous portons maintenant devant le Seigneur.
au moment de l'offrande. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, tu notre Père, le sacrifice que nous t'offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Par Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce temps de Pâques où le Christ a été immolé. Grâce à lui, cela a des enfants de lumière pour la vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, et avec tous les vivants, nous venons te bénir et te chanter, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, tu es saint, tu peux sanctifier toutes choses, c'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape, François l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières ce soir, dans les intentions de cette messe. Tous ceux et toutes celles que nous portons dans le cœur, avec qui nous sommes en étroite communion, dans nos familles, dans notre paroisse, à travers le monde.
tous ceux avec qui nous portons leurs épreuves, leurs souffrances, leurs doutes, leurs larmes, leurs douleurs. Nous pensons en particulier aux familles touchées par, très étroites, très spécialement, très douloureusement par le virus. Le personnel soignant qui sont là en première ligne de cette épreuve, de cette pandémie. Nous prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre. Et nous pensons particulièrement à toutes les victimes de cette pandémie et tous ceux qui se sont confiés, qui ont confié leurs défunts à nos prières ce soir. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés d'un même Père, rassemblés autour de la table du partage dans un même esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Et avec les paroles mêmes de sa prière, ce soir nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans ton Église, de cette paix que nous ne savons plus bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir, réunis autour de cette table du partage, de la communion. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom. Et permets-nous de retrouver pas à pas l'unité parfaite en toi-même, qui t'est fait serviteur, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, et vous tous qui êtes en communion avec nous en ce moment, vivons ensemble dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En union avec vous tous qui avez un grand désir de communion ce soir et qui partagez ce moment de prière avec nous. Alors avec vous, je veux dire les paroles de cette prière, avec vous et pour vous, qui allez vivre ce désir de communion spirituelle. S'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette hostie, Seigneur, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors Seigneur, viens en moi maintenant. Rassemblons une fois encore notre prière. Écoute notre prière, nos prières, Père très bon, nous qui avons communié au corps et au sang du Christ. Que cet échange mystérieux où nous sommes rachetés nous soutienne durant la vie présente et nous fasse entrer dans les joies éternelles que nous promet Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à répondre à une invitation de notre évêque, qui voudrait que tout le pays, tout le diocèse, soit consacré au cœur miséricordieux de Jésus et à la Vierge Marie. Alors nous sommes invités à dire cette prière que vous pouvez retrouver sur le net, sur les différents sites du diocèse, et que nous sommes invités à dire ces jours-ci, chaque jour, entre nous à la maison, et aussi à l'occasion de nos célébrations comme celles que nous vivons en cet instant. Alors je vais dire cette prière avec vous, et les uns avec les autres, vous la reprendrez, vous avez la possibilité de le retrouver sur le site du diocèse, ou le site du studio Capa également. Cette prière de consécration que nous allons dire ensemble maintenant pour consacrer nos familles, notre pays, notre diocèse, au cœur sacré de Jésus plein de miséricorde et à sa mère, la Vierge Marie. Cœur sacré de Jésus plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je consacre à toi ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent
dans les services essentiels. Répands sur eux la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, où tu nous apprendras à choisir, où tu nous apprendras à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen. Amen. Alors cette prière qui a été rassemblée par notre évêque lui-même est proposée à chacun de nous, à toutes nos familles, dans toutes nos paroisses. Et encore une fois, cette prière, vous pourrez la retrouver sur beaucoup de sites du diocèse. Faites-en votre prière dans les jours qui viennent. Cette prière de consécration, on peut la dire les uns et les autres, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Alors que nous puissions vivre vraiment ce temps de prière comme tout ce temps de consécration de toute notre vie, de tout notre pays, du monde entier, au cœur aimant de Jésus et de sa mère, la Vierge Marie, à qui il nous a confié. Que notre Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs qui avaient participé à ce moment de prière avec nous, permettez-moi de vous donner rendez-vous demain à la même heure. Encore une fois, grâce aux moyens techniques qui sont à notre disposition, en espérant que ces moyens techniques marchent comme les autres fois. Je vous donne rendez-vous donc demain à 17h. Et je vous rappelle que cette célébration que nous venons de vivre ensemble en direct, vous pourrez la retrouver toujours sur cette page Facebook dans les minutes qui viennent, et aussi sur YouTube, si vous allez sur YouTube, et vous tapez Studio Capable, et vous retrouverez cette célébration qui vous pourrez vous aider à prier avec vos amis, les membres de votre famille, chez vous et à travers le monde. Bonsoir à tous, et à demain.